On va commencer avec un tarot. Ah, il me reste une carte là. Oui, alors visiblement, bah écoutez, pour l'instant, on ne va pas continuer avec le tarot. J'ai une carte qui est restée là. Donc là, effectivement, c'est la solution à votre besoin de changer de cadre de vie, tout en rendant service visiblement à un employeur qui a besoin de vous faire aller quelque part et qui a besoin que ce soit vous en particulier. Voilà, donc on va approfondir avec le tarot du chat. Alors la réponse va être imminente, hein. Il va falloir la donner assez vite. À partir de là, les choses vont aller très vite. Les choses vont bien s'enchaîner, visiblement, hein. Oui. Alors, vous avez peut-être besoin d'en parler encore avec les membres de votre famille, les gens autour de vous, de façon à prendre votre décision. Bon, de toute manière, là, ce serait bien. Je pense que ce serait pour aussi remplacer quelqu'un qui, à force d'être un peu trop en dehors du monde, a besoin, justement, à l'inverse de vous, de retourner un peu vers les mouvements, le bruit, etc., de la ville. Oui. Quelqu'un qui est bien là où il est, mais qui finalement n'est peut-être pas assez efficace dans son job, justement parce un peu trop en train de prendre son temps. C'est très possible. Et c'est visiblement quelqu'un avec de hautes responsabilités qui vous a offert à vous et pas à quelqu'un d'autre ce job-là. Voilà. Bon, alors, donc là, cette question de la mutation, là, je pense y avoir bien répondu, en tout cas dans ce cas précis. Alors, eh ben écoutez, là on parle de l'homme. Alors, soit l'homme dans le genre masculin, soit des êtres humains en général et de leur côté yang, combattant, etc., côté actif. Symbolique du côté yang en fait, hein, le chaud, etc. Martien, solaire. Bah écoutez, on va regarder ça. Je vais mettre cette carte thématique en fond. Alors peut-être que cela veut dire qu'un homme va rentrer dans votre vie, vous qui regardez la vidéo, peut-être s'agit-il de vous. Alors, bien dans certains cas, là, on voit la rencontre d'un homme pour qui, bah, écoutez, qui va rentrer dans votre vie pour y rester, peut-être pas éternellement, mais en tout cas très longtemps, visiblement. Alors, après des temps très difficiles, alors soit vous, soit lui, après avoir subi quand même pas mal de difficultés, peut-être est-ce aussi, pour ceux qui y croient, une rencontre karmique. Ah bon, non, visiblement pas. Alors, on me dit que...
Alors, mensonge et erreur, ça j'ai bien envie de laisser ça pour après. En tout cas, ce que je ressens là avec la carte de l'épreuve ici, voyez, l'épreuve, le mensonge et l'erreur, c'est que soit vous, soit lui, avait subi ou subissait l'influence, les interférences et les mauvaises influences d'une personne qui est probablement menteuse, mais plutôt mythomane. Donc, c'est-à-dire que là, c'est une maladie, c'est pas l'expression oh, t'es mytho pour dire tu es menteur. Non, non, c'est la vraie mythomanie, c'est la vraie maladie. C'est la personne qui est tellement déstabilisée qu'elle finit par croire à tous ses propres bobards, en fait. Donc là, j'ai l'impression que soit vous, soit cette personne-là, a eu affaire à un ou une mythomane et que ça a été difficile au départ de s'en rendre compte, puis d'admettre, et puis après de s'éloigner de ce type de personne, parce que ce genre de personne, on ne peut pas les garder dans son entourage, sauf si on est de la famille, mais... Bon, alors, il faudra revenir là-dessus. Si jamais cela vous interpelle, il faudrait me le demander, me m'en parler en commentaire. Et puis à ce moment-là, on pourrait refaire un tirage spécial. Mais je pense que là, il vaut mieux tourner le dos à ce type de personne-là. Hein? Voilà. Alors, on me dit... On me dit que vous allez recevoir un message des nouvelles de quelqu'un, probablement par texto ou par email. En tout cas, vous allez recevoir un message plutôt écrit. Mais attention, parce que en fait, ça propose quelque chose de beau et de neuf, mais en réalité, c'est comme un piège. C'est très bizarre, cette histoire. Ça, c'est une carte qui vous met en garde. C'est-à-dire que quelqu'un peut se faire passer pour un ami, pour quelqu'un de bien intentionné pendant des années, et puis un jour révèle son vrai visage, et là vous tombez de haut. Et ça, c'est le genre de carte qui va ressortir régulièrement jusqu'à ce qu'on comprenne que quelqu'un qu'on croit proche n'est en fait pas si proche. Alors cela doit parler à quelqu'un, j'imagine. Voilà, alors on va... Ah, visiblement, il s'agirait d'une femme. Alors, puisque la carte de l'homme et la carte de la femme sont toutes les deux sorties, on va changer de thématique. On va prendre donc l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et on va faire un tirage sur les rapports entre les deux. Donc on va se faire un tirage sentimental, entre autres. Voilà. Sentimental ou alors les rapports entre hommes et femmes au travail. Enfin, on va voir ce qui sort. Là, franchement, je me laisse porter par... Je suis d'instinct ce que sont les cartes en fait, comment elles sortent. Alors,
on va voir déjà comment on nous oriente. Donc visiblement, ce n'est pas concernant l'amour, en tout cas pas l'amour romantique, hein, puisque la carte est à l'envers. Donc déjà, ce n'est pas ça. Alors, Papillon, elle saute. Hein. Alors, visiblement, on veut continuer de me parler de la jambe masculine, mais la jambe masculine active, hein, pas celle qui est romantique, pas celle qui rêvasse. Non, 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 non. En fait, ça n'a rien de romantique. On va parler de choses concrètes. Donc, on va parler soit de relations familiales, soit de relations au travail. Alors, on va... Hop là. Bon, vous allez apprendre une nouvelle, une triste nouvelle concernant un monsieur. Oui, ça concerne quelqu'un qui est dépressif. Ah, décidément, quel tirage. Je commence à me demander si je vais le mettre en ligne. Hein. Très franchement, là, je commence à me demander. J'ai l'impression qu'il y a dans votre entourage quelqu'un quelqu'un d'âgé, plutôt un homme, qui aurait des idées noires à cause de problèmes de santé. Problème lymphatique, hein, quelque chose en relation avec la lymphe peut-être. Oui. Et si vous êtes une femme, je pense que c'est par votre frère ou votre cousin ou quelqu'un de... un homme dont vous êtes proche qui va vous l'annoncer. Bon, alors pareil, hein, si ça parle à quelqu'un, mettez-moi cela en commentaire et puis nous pourrons creuser un peu plus via un nouveau tirage. Je vais changer de jeu. On va regarder un peu ce que l'on a à nous dire aujourd'hui, dimanche 1er septembre 2019. Qu'est-ce que l'on aurait de plus à nous annoncer? Alors, une carte vient de tomber par terre. Bon, là, on vous demande de... À mon avis, on vous demande de privilégier tout ce qui est en rapport avec vos possessions. On parle encore de biens immobiliers. On ne cesse de parler de biens immobiliers en ce moment, ça n'arrête pas. Alors, on va faire deux tas. On va faire l'endroit où l'on vit, et on va faire un autre tas pour
votre maison intérieure, c'est-à-dire votre vie intime, de ce qui se passe dans votre conscient et votre inconscient. Hein. Voilà. Alors, on va faire deux tas. On va prendre... une carte du tarot du chat pour la maison concrète et pour la maison intérieure. Ensuite, on va prendre trois cartes du Béline et on va recouvrir d'une carte du jeu d'Adèle Didier. Voilà. Alors, donc, là, si si vous êtes embarrassé par un bien immobilier, quelque chose du genre, et que vous n'arrivez pas à le vendre ou le remettre sur pied, il va falloir accepter certaines offres qui au départ n'étaient pas assez intéressantes financièrement en fait. J'ai l'impression qu'il y avait déjà eu une première offre, mais qui n'a pas eu de suite. Ça vous a fait perdre un temps fou. Bon, là, ça devrait s'arranger. C'est-à-dire que si vous acceptez de revoir un peu les termes du contrat, là, cela pourrait aller beaucoup mieux. Donc, c'est plutôt positif. Concernant le monde intérieur, donc beaucoup de rêvasserie. Alors bon, là en ce moment ça va parce que la nouvelle lune est en vierge, donc tout est porté sur les bonnes intentions, les intentions, le fait de vouloir rendre service. On a également les choses qui s'organisent bien, qui se goupillent bien dans le travail, etc. Simplement là, dans le monde intérieur, on a un petit peu tendance à la rêverie. Alors, il vaut mieux que vous dormiez et que vous rêviez pour de vrai, quitte même à noter vos rêves, que de rêvasser éveillé. Voilà. Et puis... d'ici 15 jours, il faudrait être encore plus vigilant par rapport à cela. Parce que là, la pleine lune sera en poisson. Et d'après les astrologues, donc on aura une conjonction entre donc la lune noire et Neptune qui est dans son lieu de maîtrise, hein, dans les poissons, et donc cela risquerait d'être un petit peu trop nébuleux. Donc d'ici là en fait, ce qu'il faudrait ce serait se donner des emplois du temps peut-être un petit peu stricts au départ, mais finalement qui vous permettraient de faire ce que vous avez à faire tranquillement et d'avoir cette sensation d'avancer au lieu d'évoluer dans des sortes de limbes, voyez-vous. Voilà, et comme ça vous pourrez passer justement ce cap, même pour certains, ces ténèbres, de façon quasi héroïque, hein, comme dans les mythes, et puis bon, ensuite retrouver la porte de sortie vers la lumière, et puis là, le cap sera passé tout à fait bien. Là, il y a chez certains,
chez certains parmi vous la capacité à écouter encore plus votre intuition. Et ça, il faut arrêter de bloquer là-dessus si c'est le cas. Parce que plus vous écouterez votre instinct, et mieux vous avancerez dans la vie. Voilà. Alors, bon, bah écoutez, là, je pense qu'on a quand même fait le tour de quelques questions. Alors, donc, si parmi tout ce que nous avons vu, quelque chose a fait tilt, si vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire, mettez-le en commentaire et puis à ce moment-là, je réorganiserai un tirage spécial pour à partir de votre question. Voilà. Alors, passez un bon dimanche et à demain matin. Au revoir.